Bonjour, Pause Biomédicale vous souhaite la bienvenue. Dans les vidéos précédentes, nous avons fait une présentation de l'ingénierie biomédicale, les débouchés et les différents secteurs d'activité de l'ingénierie biomédicale qui sont la bioélectricité, la biomécanique, la bioinformatique, la bioélectromagnétisme, l'étude des biomatériaux, l'électrophysiologie, l'instrumentation biomédicale, y compris l'imagerie médicale, la modélisation biomédicale, le traitement d'images et de signaux biomédicaux et la radiothérapie. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la bioélectricité. Comme son nom l'indique, la bioélectricité est l'électricité produite par un organisme vivant, en particulier par un muscle ou un nerf. Il vous arrive parfois, quand vous touchez un objet brûlant, vous faites une réflexion immédiate pour se protéger. Et cela grâce à une communication électrique rapide entre le cerveau et les membres du corps. Dans notre cas, c'est la main. Et c'est ça ce qui se passe en fait. Si on touche à un objet brûlant, il y a ce qu'on appelle des récepteurs de la douleur. Situés dans la peau, qui reçoivent l'effet de cet objet en créant un signal électrophysiologique. Il va être envoyé à travers ce qu'on appelle des neurones, dits sensitifs, vers le système nerveux qui se présente par un système nerveux central, qui est le cerveau, et un système nerveux périphérique composé de la moelle épinière. Une fois détecté, le système nerveux envoie un signal électrophysiologique à travers ce qu'on appelle des motoneurones aux muscles spécifiques pour se contracter et éloigner la partie stimulée qui est la main. Alors, la communication interne du corps humain est sous forme de signaux électriques faibles circulant à travers les neurones et les fibres musculaires. C'est ce qu'on appelle les signaux électrophysiologiques. Mais comment peut-on savoir qu'il s'agit de signaux électriques de faible énergie? La réponse est qu'on peut capter ces signaux électrophysiologiques en utilisant des électrodes. Les plus connues sont celles-là pour détecter les signaux électriques du cœur, ces électrodes-là pour mesurer l'activité électrique du cerveau, et celles-là pour détecter l'activité électrique des nerfs et muscles. Je vous explique. Pour ces électrodes-là, sont utilisées avec un appareil dit électroencéphalographe qui permet de visualiser l'activité électrique du cerveau. Cet appareil est utilisé pour effectuer un examen d'électroencéphalographie. L'opérateur positionne les électrodes sur le cuir chevelu du patient qui sont maintenues par un casque en caoutchouc ou coller à l'aide d'une patte. Ces électrodes vont percevoir l'activité électrique spontanée du cerveau à travers le crâne. Elles sont reliées à l'appareil d'électroencéphalographie ou tout simplement EEG qui va permettre d'enregistrer les petites variations de tension. Résultat, un ensemble de tracés qui constitue l'électroencéphalogramme qui sera étudié par les médecins. L'examen est effectué soit pour étudier le fonctionnement du cerveau chez les individus sains, soit être prescrit dans le cadre d'un diagnostic d'une maladie neurologique telle que les troubles de sommeil, l'encéphalite, une méningoencéphalite ou en cas d'épilepsie. Vous voyez déjà la différence entre les deux tracés. Pour ces électrodes-là, qui sont utilisées avec un appareil d'électromyographie ou tout simplement EMG, qui permet de visualiser l'activité électrique des nerfs et des muscles et analyse ainsi la contraction musculaire et la conduction nerveuse. C'est la capacité des nerfs à conduire le courant nerveux. L'électromyographie ou l'électroneuromyographie
est réalisé soit en piquant une aiguille dans le muscle ou à côté du nerf, soit en collant les électrodes sur la peau si le nerf ou le muscle sont superficiels. Ces électrodes permettent de stimuler électriquement les fibres nerveuses en envoyant des chocs électriques très brefs, de 1 dixième à 1 milliseconde et de faible intensité, quelques millièmes d'ampères. Ce courant nerveux est propagé jusqu'au muscle qui va alors se contracter et bouger. Des capteurs collés sur la peau permettent d'enregistrer l'activité électrique du nerf et ou du muscle. Celle-ci est ensuite retranscrite sur l'appareil et analysée sur écran sous forme de tracé. L'activité électrique est analysée au repos, après stimulation électrique artificielle ou par effort de contraction volontaire du patient. Cet examen sans risque dure 45 à 90 minutes selon le protocole utilisé afin d'obtenir ce tracé. Ça représente un tracé EMG normal. Pour les électrodes qui permettent de visualiser l'activité électrique du cœur, elles sont utilisées avec un appareil dit électrocardiographe ou tout simplement ECG, comme le montrent ces images-là. L'ECG se réalise au repos. Le patient est allongé sans anesthésie. Il n'est pas demandé d'être à jeûne, mais il est recommandé de ne pas fumer juste avant. L'ECG dure habituellement entre 5 à 10 minutes. C'est un examen sans danger qui n'est pas douloureux. Il peut être fait au cabinet du cardiologue, à l'hôpital, voire à domicile. Ces électrodes adhésives reliées à des câbles sont posées sur la peau nue, ce qui oblige, en cas de pilosité importante, à raser certains endroits du torse. Au niveau des endroits précis, comme le montre la deuxième image, elle capte les impulsions électriques créées par le cœur, parce que vous savez qu'à chaque battement cardiaque, une impulsion électrique ou une onde traverse le cœur. Cette onde fait contracter le muscle cardiaque afin qu'il expulse le sang du cœur. Un ECG est parfois réalisé lors d'une épreuve d'effort ou test d'effort, alors que le patient fait un effort physique de plus en plus intense. Il est demandé par exemple au patient de marcher sur un tapis roulant et la vitesse du tapis est augmentée progressivement. Après un traitement, on obtient un signal que vous connaissez tous, c'est le tracé ECG. Donc on peut dire tout simplement que l'abus d'électricité est la réception et le traitement des signaux électrophysiologiques. Il y a d'autres signaux électriques physiologiques qui peuvent être aussi mesurés, tels que l'EGG ou l'électrogastrographe, qui peut mesurer l'activité gastrique. Et ça permet bien sûr de visualiser les signaux électriques de l'estomac et des intestins. Il y a aussi le RG ou l'électrorétinographe, cet examen de l'œil destiné à enregistrer l'activité électrique de la rétine après une stimulation lumineuse. Le photoplétismographe ou PPG, appelé également l'oxymètre ou l'espirodeur, qui est une technique optique non invasive permettant de détecter les variations du volume sanguin microvasculaire dans les tissus qui sont dues à la nature pulsatile du système circulatoire. Comme ces deux images l'indiquent, ça peut être mesuré en utilisant un petit dispositif médical qui se repose sur la sensibilité des différentes longueurs d'onde optique pour le sang et d'autres composants tissulaires. Et ça ne nécessite que quelques composants photoélectroniques. Ça nécessite une source de lumière pour éclairer le tissu, qui est l'émetteur, et un photodétecteur pour mesurer les petites variations d'intensité lumineuse associées au changement de perfusion dans le volume de captation, qui est le récepteur. Et c'est quelque chose que vous pouvez réaliser vous-même. Vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle nous avons fait la conception et la réalisation d'un photoplétismographe à l'aide d'une carte Arduino et un petit circuit électronique. Juste essayer de le faire, c'est simple. Il y a aussi le DA pour mesurer l'activité électrodermale, AED,
correspond à des variations électriques de la peau associées au fonctionnement des glandes appelées sudoripares. Il y a bien sûr d'autres techniques, et si vous voulez, par la suite, on peut faire des vidéos pour expliquer en plus chaque appareil, ses composants et son principe de fonctionnement. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.